Comment vos parents se sont-ils rencontrés? Alors là c'est vraiment la question que j'ai du mal à répondre, parce que effectivement quand mes parents se sont rencontrés, j'étais loin des... Hein? Bon, alors mon père à l'âge de 12 ans est parti avec un frère qui faisait la Chine, c'est-à-dire qui, avec un camion ou une charrette, c'était peut-être une charrette à l'époque, parce que ils vendaient, ils faisaient le colporteur, vous savez, comme ce qu'on appelait faire la Chine. Et mon père s'est retrouvé à Paris, mon père a appris le métier de boulanger, il est devenu boulanger. Et comme par la suite, je sais que ma mère était vendeuse en boulangerie, ça doit être comme ça qu'ils se sont connus. Pourquoi étaient-ils opposés politiquement? On ne peut pas dire qu'ils étaient opposés politiquement. Mon père... était, comme on disait à l'époque, anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire qu'il était partisan d'indépendance, anti-patron, tout genre de choses. Ma mère, elle faisait pas de politique. Sur le plan religieux, si, ma mère était catholique, pas pratiquante, mais enfin, elle était catholique. La preuve, c'est que mon frère aîné et ma sœur ont été baptisés et ont fait leur communion. Par contre, après, ça s'est arrangé parce que mon autre frère et puis moi, on n'a même pas été baptisés. Mais on ne peut pas dire que ce soit politique. Hein. C'était pas politique. D'ailleurs, mon père faisait pas de politique, ma mère non plus. Hein. Mon père faisait s'occuper surtout de syndicats. Pourquoi avez-vous fait de la politique si jeune? En 1928, quand ma mère est morte, nous habitions Bagnolet, nous avons été habités à Villeneuve-le-Roi. Comme ça que ça a démarré, avec le fils de Thérois. On a créé un groupe de pionniers. Alors les pionniers, c'était les Boy Scouts communistes. Comme ça, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Hein? Alors on faisait du camping. Mon frère aîné et ma sœur ont adhéré aux jeunesses communistes. Nous, on était trop jeunes, il n'était pas question. Parce que j'avais... C'est mon frère et ma sœur qui ont fait adhérer mon père au Parti communiste. Et alors, bon, bah, 1934, le coup de l'histoire des ligues fascistes qui ont assiégé l'Assemblée nationale, tous les trucs... un souvenir, je me rappelle, mon frère aîné, qui avait, lui, il avait 23 ans, qui est revenu de là-bas en nous disant « ça tire à la mitrailleuse », en photo. Février, la manifestation pour répondre à la manifestation de la droite du 6 février, manifestation communiste, socialiste, tout le monde réuni. Le 12 février 1934, ça a été la grève générale. Alors là, un épisode, vous voyez. Mon frère, Pierre, le futur colonel Fabien, qui avait 15 ans, travaillait dans une usine à Villeneuve-le-Roi, une usine métallurgique. Ils ont fait grève, évidemment. Et ils ont été arrêtés par les gendarmes. Une manifestation, c'est pour eux, et a monté jusqu'à la gendarmerie, et on fait libérer mon frère, et puis un autre qui était avec lui, qui est devenu le futur maire, qui est devenu le maire de Villeneuve-le-Roi. Voilà comment on faisait de la politique. Le 1er mai, sur le plan syndical et ouvrier, il y avait la grève le 1er mai. C'était pas quelque chose d'autorisé, c'était quelque chose d'illégal, mais enfin, on faisait grève le 1er mai. Et nous, à l'école, on faisait aussi grève le 1er mai. Et on faisait des piquets de grève à la porte d'entrée de l'école pour empêcher les autres de rentrer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la politique. Aviez-vous étant jeune? J'ai passé mes bourses à 11 ans, mon certificat d'études à 12 ans. C'était l'époque normale, 12 ans. Et quand mon père nous avait présenté à l'école estienne, on a dit c'est bien beau, vous avez une bourse pour l'école estienne, mais vous êtes trop jeune, vous ne pourriez pas y aller. Alors j'ai pas pu aller à l'examen. Enfin, disons que j'avais le niveau du brevet. Et je suis rentré comme apprenti dans l'imprimerie, où j'ai fait 4 ans d'apprentissage, de 1934. J'ai commencé à travailler en 1934, j'avais 14 ans. Et j'ai fait mes 4 ans d'apprentissage, j'avais 4 ans d'apprentissage pour l'imprimerie, jusqu'en 1938, où après, j'ai continué dans l'imprimerie jusqu'à la guerre. L'artisan où je travaillais, à côté de l'école militaire à Paris, il en a eu marre des alertes le soir, il était âgé, son fils avait été mobilisé, il a fermé la boutique. Il y avait eu créé à Paris par le syndicat des métaux, de la CGT, l'école des métaux, rue d'Angoulême à Paris, qui était dirigée par le futur colonel Roltang. Alors moi j'y étais pour apprendre le métier d'ajusteur. 3 jours après, l'école était fermée avec l'interdiction du Parti communiste et du syndicat de la CGT. J'avais été 3 jours à l'école. J'ai ajouté un 0 sous certificat, ça faisait 30 minutes. Mon frère m'avait dit à l'usine où il travaillait à la Courneuve, à la Caprin, l'usine d'aviation, il a dit « tu te présentes ». On va te faire une queue la ronde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une queue la ronde. Ah. C'est une espèce de truc, vous avez un trapèze dans un sens, un autre dans l'autre, ils doivent s'en manger l'un dans l'autre, elle va aller la femelle. Alors il dit, si tu l'as réussi, t'es pris comme ajusteur, si tu loupes, t'es pris comme manœuvre. Moi j'ai réussi ma queue la ronde, mais j'ai fait 2 femelles. J'ai été pris comme manœuvre, teneur de tas. Alors teneur de tas, c'est un truc dans l'aviation. Vous êtes à l'intérieur de la carlingue avec un truc métallique et il y a l'autre avec le marteau pneumatique, c'est pour faire les rivets. Ça veut dire que... Et on n'avait pas de casque à l'époque. Hein. Pourquoi vos frères se sont-ils battus en Espagne en 1936? Ben parce qu'il y avait la guerre des Espagnols, on demandait de l'aide partout pour défendre la République. Et c'est comme ça qu'a été créée les brigades internationales. Alors les brigades internationales, auxquelles ont participé de nombreux Français, Pierre, Fabien, lui est parti alors que normalement il n'aurait pas dû partir, il avait 17 ans. Il a trafiqué sa carte d'identité pour faire croire qu'il a reçu à Albacete par André Marty qui s'occupait des brigades internationales françaises. Manque de chance, André Marty le connaissait parce que mon frère était déjà à la direction des jeunesses communistes à Paris. Et il l'a envoyé à l'école au lieu de l'envoyer au combat. Daniel est parti en 1937, il est parti là-bas où il est devenu commissaire politique d'une brigade espagnole. Pourquoi étiez-vous contre le gouvernement en 1938? Alors pourquoi on était contre le gouvernement en 1938? À cause des accords de Munich. Les accords qui ont été faits entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui ont permis à l'Allemagne de s'emparer de la Tchécoslovaquie. C'est la première fois que j'ai fait connaissance avec la police. J'avais jeté des tracts du haut d'un balcon du cinéma. Bah, je me suis fait prendre par les flics. On est resté une nuit au commissariat. C'était pas méchant. Vous voyez, on allait souvent dans des manifestations. Aux jeunes communistes, c'était courant les manifestations. Et il y avait un truc, c'était mon frère qui avait trouvé ce truc-là, on se mettait une casquette bourrée de coton hydrophile, comme ça les coups de matraque ça faisait moins mal. Germano-soviétique. Le parti communiste a cessé, disons, le combat sur le moment. Mais nous, aux journalistes communistes, on n'a jamais voulu cesser. On a continué. On a continué. Notre travail consistait, disons, on collait des papillons sur les poteaux. Des papillons contre le nazisme, contre Hitler. On imprimait des journaux, clandestins qu'on distribuait. Dans la nuit, là, du 1er au 2 décembre 1939, j'avais tourné la manivelle toute la nuit. Le matin, je reviens avec, je ne sais pas combien, peut-être 1000, peut-être 2000 tracts comme ça qu'on m'avait imprimé dans la nuit, là, 5 à pommes de terre. Et j'arrive chez ma belle-sœur. J'étais au chômage à ce moment-là. Alors tous les jours, ma belle-sœur, on était tous les deux tout seuls, on s'arrangeait le midi, j'allais manger chez elle. Donc je viens à midi là, chez elle pour venir manger. Avec vos tracts Avec mon sac de tracts sur le dos. J'entends frapper à la porte, j'entends une voix d'homme. Ah, je dis ça y est, c'est Daniel qui est en permission. Ben, en fait, permission, c'était le commissaire Roche. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous avez? J'ai dit des pommes de terre, ils n'ont pas voulu me croire. Ils ont regardé ce qu'il y avait dedans. Alors le résultat, un résultat enfin tragique. Je suis arrêté, ma belle-sœur aussi. Ils trouvent, bon, ils ont l'adresse automatiquement de mon frère. Ils vont l'arrêter à l'usine. Ma belle-sœur, ils arrêtent ma belle-sœur dans les orfèvres. Or, disons, c'était pas la torture, faut pas exagérer. Mais enfin, disons, passe à le tabac, quoi. J'ai eu une trace de bague, c'est ma belle-sœur qui m'a dit ah, tiens, t'as un trou. Une trace de bague, un flic qui avait une bague, quoi. Ils se sont surtout acharnés sur mon frère parce que, comme il était connu, il était à la direction des jeunesses communistes de Paris, connu comme il a été aux brigades internationales, et c'est surtout lui. Ils en profitaient pour lui taper sur le ventre, il avait été blessé en Espagne, ils en profitaient pour taper sur la blessure. Enfin, le commissaire Roche, je m'en rappelle. Et puis on est resté là 48 heures, et après on a été transféré au dépôt, et après à la santé. Mon frère et moi, on était mineurs. Donc, au quartier des mineurs, c'est le même quartier que les condamnés à mort. Les condamnés à mort sont au rez-de-chaussée, les mineurs sont au premier étage. Cellule, tout seul dans une cellule. Une cellule de 9 mètres carrés, c'était les normes, c'est toujours les mêmes normes, ils n'ont pas changé. Tout seul dans une cellule. Il faut dire aussi que mes deux belles-sœurs, elles ont été à la prison de la Petite Roquette, puisqu'ils ont été arrêtés aussi. Alors tout seul dans une cellule, comme ça pendant 6 mois. Comment avez-vous trouvé la force pour ne pas parler en prison? Quelle insulte avez-vous entendue alors? Comment avez-vous fait pour supporter la solitude pendant 6 mois? Bon, comment j'ai eu la foi pour ne pas parler? Disons qu'on nous avait un petit peu éduqués à l'époque. On parlait beaucoup. Il fallait parler beaucoup. Il ne fallait pas se taire. Il fallait parler beaucoup, raconter des tas d'histoires. Moi, j'ai raconté des tas d'histoires. C'était un gars qui m'avait imprimé qui m'avait tapé le truc à la machine. C'était un gars qui était sur le front à ce moment-là. Il y avait Scarien. Vous voyez, on parlait beaucoup pour en définitive, comme ça, ils en ont trouvé. Comment on reste 6 mois tout seul dans une cellule. Moi, je dirais que ça m'a fait du bien. Je ne suis pas mécontent de mes 6 mois à la santé. D'abord au point de vue santé. J'étais d'une santé assez fragile, j'avais été en préventorium, ma mère était morte de la tuberculose. À la santé, on mangeait mal, mais on mangeait. Alors qu'avant, avec mon salaire d'apprenti, Si je voulais aller au cinéma, il fallait que je saute un repas. Vers 39-40 a été un hiver très rude. Très rude, même les autobus ne pouvaient plus circuler dans Paris à cause du verglas, c'était un hiver très rude. À la santé, ils m'ont guéri mes engelures. Tous les jours, ils me faisaient des bains de teinture d'iode. On se reposait, puisque en définitive, on n'a rien à faire. Sur le plan moral, ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien parce que à la santé, ils avaient une bibliothèque sensationnelle. À la santé, j'ai appris à lire. À la santé, j'ai lu Voltaire, j'ai lu Rousseau, j'ai lu Montesquieu. Quand mon frère était en Espagne, il voulait à tout prix que j'apprenne l'espagnol. Et il était vicieux. Quand il m'écrivait en espagnol. Alors je m'étais acheté un petit dictionnaire pour arriver à traduire ces lettres. À la santé, j'ai appris l'espagnol. Le problème de la solitude. Le problème de la solitude, alors là c'est autre chose, c'est particulier. Ma mère est morte, j'avais 8 ans. Mon père boulanger travaillait de nuit, disant qu'on vivait tout seul. J'ai un livre aussi à la santé. Et ma belle-mère l'a prêté à quelqu'un, il est disparu de la circulation. Très, très romantique. Hein. Sur une fille qui se livre à la prostitution à cause du chômage et de la misère. Mon père qui était dans une cellule un peu plus loin que moi, jusqu'à sa majorité, parce qu'après il a été transféré dans une autre cellule une fois majeur, on se voyait tous les dimanches à la messe. Nous qui n'allions jamais à la messe, à la santé, j'allais à la messe tous les dimanches. C'était le seul moyen de se voir. On savait pourquoi on était là. Je crois que c'est ça aussi qui nous permettait aussi de supporter la solitude. On n'était pas comme le gars qui a volé un téléphone et puis qui est en prison. Nous, on savait pourquoi on était là. Quand on l'a fait, on savait ce qu'on risquait. Combien de temps a duré la traversée de la France en 1940 ? On est parti le 10 juin, on est arrivé le 21. Le 10 juin, les Allemands arrivaient à Paris. Toutes les prisons de Paris étaient évacuées. On monte dans des autobus, les autobus de la RATP. C'était les autobus à plateforme. Alors 50 par autobus. Un coup de peau, pour nous, 50, dans notre autobus, il n'y avait que des internés politiques. Et un garde mobile sur la plateforme pour garder l'autobus. Et on part. On part comme ça jusqu'à Orléans. Jusqu'à Orléans, où on est mis dans un camp, le camp des Gurs. Et pendant 3 jours, on est là, disons sans manger. Avec notre autobus, c'est là qu'on a doublé en permanence tous les évacués, tous les gens qui évacuaient Paris. C'était quelque chose de lamentable. Tous les gens avec des charrettes, il y avait des voitures, il y avait des chars. Et à intervalles réguliers, les avions allemands qui mitraillaient la colonne. Alors après du camp de Gros, d'Orléans, on est parti d'abord en autobus et puis après à pied. Et c'est là, pour le coup, je le dis peut-être, mais ça, d'ailleurs tous le disent, même tous ceux qui ont fait le voyage, c'est là qu'on a vu les gardes mobiles abattre ceux qui traînaient. Alors après du camp d'Avor, on a repris des autobus. Et puis on s'est promené en autobus comme ça, jusqu'à Gurs. On a eu un arrêt à Bordeaux. On est arrivé le 21 juin à Gurs, sous un beau soleil, là comme aujourd'hui. Vous parlez des conditions de vie au camp de Gurs. Alors là, à l'origine, ça a été fait pour interner les républicains espagnols. Nous, on est arrivés en 40. Il n'y avait plus de républicains espagnols. Les républicains espagnols avaient été... Il y en avait qui étaient partis au Mexique. Il y en avait qui s'étaient engagés dans la Légion. il y en avait qui avaient été formés en compagnie de travailleurs. On était dans un îlot particulier où il y avait la prison qui était dirigée par le capitaine de la prison du Cherche-Midi, qui étaient tous ceux qui avaient été évacués de Paris au mois de juin 40. De chaque côté, comme ça, on était à 50, entre 48 ou 50, suivant les baraques, couchés sur de la paille. On avait de la paille par terre et une couverture. C'est tout ce qu'il y avait. Coucher dans la paille, c'est pas désagréable. Mais au mois d'octobre, c'était la même qu'au mois de juin. Ça veut dire qu'il ne restait plus beaucoup de paille. D'autant plus qu'il y avait les poux. Pas ceux qu'on a sur la tête, là. Ceux qu'il y a dans le corps, des gros morceaux, là, tout blancs, là, qui se collent dans les doublures, dans tous les... La chasse aux poux. La chasse aux poux, ça, je crois que ça a été le plus terrible à Gurs. Parce que c'est infernal, hein. Alors, les baraques, c'est des planchers, et puis en dessous, c'est le vide. Et toute la nuit, les rats qui se baladent en dessous et qui ont besoin viennent au-dessus. Tout si on avait quelque chose à manger, il fallait le suspendre. Hein. Parce que sans ça, on ne trouvait plus rien. Donc la base de nourriture, les pois chiches et les pâtes. La viande très restreinte. On a fait une université. C'est là que j'ai fini d'apprendre l'allemand. C'est là que j'ai commencé à apprendre le russe. Et on avait des bons professeurs. Le gars qui nous apprenait le russe, c'était le fils du concierge de l'ambassade de France à Moscou. Vous voyez, il y avait des écrivains comme Léon Moussinac, par exemple, des cours de littérature, des cours de peinture. Vous voyez, on a eu une vie intellectuelle qui permettait de tenir. Je suis resté dans les derniers, hein, jusqu'au mois de novembre. Hein. Et bien alors à ce moment-là, c'est la boue. Et c'est ça qui, la plupart, et les Juifs, eux, ils l'ont supporté, parce que nous, on n'a pas passé l'hiver à Gurs, mais la boue. C'est un terrain argileux, dès qu'il pleut, ça se transforme en enfonce. C'est de la glaise, alors, vous voyez, et la boue permanente. Et c'est l'hiver, et puis le froid. Et les baraques en bois, il n'y a rien, il n'y a pas de... Les fenêtres, c'est des volets en baraque de 50, d'une baraque qui fait, je sais pas, 40 mètres de long, hein, hein, il y a eu un poêle au milieu, et puis c'est tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de... dès qu'il y avait des déchets, même des volets de baraque, tout ça, qui passaient dans les poêles pour chauffer. Parce que c'est ça. Le jour où je devais m'évader, alors moi je me suis pas évadé, je raconte dans mon histoire, c'est parce que la veille de mon évasion, j'ai appris que je passais en jugement. Alors du moment qu'on passait en jugement, pas question. Il n'était pas question de ne pas passer en jugement. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas parti, mais les copains qui sont partis, ils ont réussi. Pourquoi avez-vous été transféré à Périgueux? Ben, j'ai été transféré à Périgueux pour être jugé. Moi, je suis sorti dans les derniers, là, au mois de novembre. De Gurs, j'ai été à Mauzac. Camp de Mauzac qui était aussi un camp d'internement. On est resté 8 jours à Mauzac. Oh, alors là, Mauzac, oh, le paradis. Dans des vraies baraques, dans des vrais lits. Il y avait un moment où on n'allait pas coucher dans un vrai lit. Hein. Ben oui, parce que c'était un camp militaire. Alors il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. De là, à la prison de la Perlerie, à Périgueux. La prison de la Perlerie à Périgueux, c'est dans les caves. Alors là, c'est dégueulasse. Je suis resté 3 jours, c'était pas grave. Pour passer en jugement l'après-midi. Alors il y avait mon copain Rodier, ma belle-sœur et moi, puisqu'on était dans les trucs. Ma belle-sœur était la plus âgée. Alors automatiquement, l'avocat, il met tout sur ma belle-sœur, c'est elle la responsable, c'est elle qui... Bah moi j'ai pas marché. Et puis j'ai dit la vérité, que c'était moi le responsable, qu'elle était pour rien. Bah résultat, j'ai pris 6 mois de plus qu'elle, quoi. Et puis quelque part, eux, ils ont été libérés tout de suite, puisqu'il y avait déjà plus d'1 an qu'on était Et alors là, après le jugement, alors là, j'ai été transféré à Nontron. Là, on va se promener à Nontron. Je dis, tiens, je vais montrer à ma femme où j'étais en prison à Nontron. Hein. Je cherche la prison. Je vois un vieux cantonnier, enfin un vieux cantonnier, on dit toujours un vieux cantonnier, hein, je ne sais pas pourquoi. Un cantonnier, je lui demande, il n'était pas jeune. Hein. J'ai dit, mais où c'est qu'elle est la prison? Il me dit, il n'y a pas de prison ici. Ah ben, je dis, je regrette, j'y étais. Quand? Je lui dis, ah ben c'est là-haut, c'est le collège de jeunes filles. C'était le collège de jeunes filles. Vous savez, ils ne savaient plus où les mettre, hein, les prisonniers. Le collège de jeunes filles qui avait été transformé en prison. Et j'ai lu la totalité des Misérables le soir à mes collègues de la chambre. Moi, je dis, je vais aller à Rochefort, puisqu'il n'était pas question de repartir à Paris, parce que je risquais de me faire arrêter. Comme j'avais ma grand-mère et puis mes oncles, tout ça à Rochefort. La vie à Rochefort en 1941. La vie sous l'occupation. Depuis que j'avais été arrêté, j'étais toujours avec les mêmes vêtements. Vous voyez le résultat. Si par hasard, les jeunes qui se promenaient après le couvre-feu, qui étaient arrêtés parce qu'à Rochefort, c'était pas trop sérieux, ils étaient emmenés à la commandanture et puis ils passaient leur nuit à cirer les bottes des soldats allemands. Les restrictions. Alors les restrictions alimentaires, alors là, ça c'était de la rigolade par rapport aux Parisiens ou aux gens des grandes villes. Parce qu'il y avait quand même les possibilités. Moi je me rappelle, je prenais mon vélo, j'avais une remorque, puis j'allais me promener dans la campagne, du côté de Puissant, dans tous ces coins-là, pour amener du ravitaillement. Le ravitaillement autorisé, hein, les betteraves, les topinambours, on planquait des pommes de terre en dessous. Pour trouver un réseau de résistance. Ben, j'en ai pas trouvé. Mon voisin où j'habitais était dans la résistance. On allait à la pêche ensemble. On allait couper du bois ensemble. Je savais pas qu'il était résistant. Et il me l'a jamais dit. Mon cousin Claude était résistant. On travaillait ensemble. J'ai jamais su qu'il était dans la résistance. Il me l'a jamais dit. Le fait que je sois surveillé par la police sortant de prison, c'était très difficile. Il n'y a que mon frère qui était au courant. C'est comme ça qu'il est venu me voir, j'ai hébergé ma belle-sœur et tous ces trucs-là. Et quand je suis rentré dans la résistance, c'est mon frère qui est venu. Et après, en 1943, mon frère est revenu, il est venu à Noël. On était voir les visiteurs du soir, au cinéma l'Apollo. Il m'a donné rendez-vous pour le 6 janvier 1944 à Vierzon. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. Quel intérêt à détruire des usines et des voies carrées? Ah, on ne détruit pas les usines, on détruit les transformateurs. C'est-à-dire que ça ne touche pas à l'usine, mais ça la bloque, ça l'empêche de travailler. Les voies ferrées, pour empêcher le transport des troupes, le transport des munitions. Vous voyez, c'est pas pour tuer des gens. C'est exclusivement sur le plan économique, sur le plan stratégique, pour empêcher l'armée allemande de faire son travail, d'une façon correcte. On a fait sauter le pylône de Radio Paris, qui était à côté de... Alors nous, amateurs, hein, on était des amateurs, hein, voulant bien faire, on a mis un sein de plastique sur les 4 piliers. Résultat, quand ça a sauté, il est retombé sur ses pieds. Il fallait en mettre que d'un côté pour qu'il se couche. Je ne savais pas. J'ai passé mon permis de conduire dans le maquis. Alors, le passage du permis de conduire, avec des tractions, à gazogène, hein, parce qu'on n'avait pas d'essence. Alors, une ligne droite, un ou deux virages, on revient, on freine. Si on n'a pas rencontré d'armes, il y en avait qui avaient la formation militaire, tous les commandants de compagnie, des choses comme ça. Mais nous, on n'avait aucune formation militaire. Moi, la première fois que j'ai eu un fusil, c'est le 6 juin 1944. Le 6 juin 1944, quand on est parti prendre la ville de Saint-Amand-Montrond, on me donne une carabine américaine. Le premier truc qui est arrivé, j'ai collé une balle entre les jambes du capitaine et la sœur du commun. Par la suite, j'ai appris. Pouvez-vous nous décrire une journée de... J'étais le responsable du renseignement pour le département du Cher. C'est-à-dire que je devais trouver des renseignements divers. Trouver les jours où les tickets d'alimentation arrivaient dans les mairies pour pouvoir aller les chercher. Parce que tous ceux qui étaient dans l'illégalité, ils avaient besoin d'argent, de tickets d'alimentation. Trouver les jours où le tabac arrivait au bureau de tabac pour pouvoir aller chercher les cigarettes. Trouver le jour où l'argent arrivait à la banque, au besoin, pour trouver l'argent. Parce que nous, on n'avait rien de l'ordre volontaire. Nous, aux Francs-Tireurs et Partisans Français, on n'a jamais rien reçu en parachutage. Tout ce qu'on avait, il a fallu qu'on le prenne. On faisait à peu près 100 km par jour en vélo pour aller dans tous les bleds du département pour chercher l'argent. Donne une carabine américaine. Le premier truc qui est arrivé, j'ai collé une balle entre les jambes du capitaine. Et l'instant où on ne combattait pas, on n'avait pas le droit d'être armé, d'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes. Hein. Alors il fallait laisser à ceux qui en avaient besoin. Hein. Et je ne savais pas me servir d'un revolver ou d'un fusil. Par la suite, j'ai appris. J'ai même été instructeur d'armement, j'avais des colonels comme il a eu. Alors après la libération de Bourges, qui a été libérée à peu près en même temps que Rochefort, au début du mois de septembre, j'ai eu le commandement d'une compagnie indo-chinoise. Cette compagnie indo-chinoise, c'était les compagnies de travailleurs d'Indochinois qui étaient venus en France avant la guerre. Et alors, il y en avait une compagnie comme ça à Bourges, qu'on avait formée, qu'on avait armée, qui avait participé au maquis. Je prenais le commandement de la compagnie le lendemain. Dans la nuit, j'ai fait faire un drapeau tricolore avec en travers les couleurs indochinoises. Après, je faisais ce que je voulais, les gars. Bon, mon rond, 2 jours après, on a eu la division d'Asraï-Shuldo automatiquement. C'était une erreur, mais enfin, c'était une erreur qui a été valable parce que quand même, on avait fait prisonnier 50 miliciens, dont la femme du grand chef de la milice, Darnand. Et on fait la répartition des armes, et puis on était dans les bois. Alors, j'étais avec le capitaine, et puis 2 autres, et puis d'un seul coup, on entend parler. C'était pas français, c'était pas du français. On dit ça y est, c'est des Allemands qui arrivent. Alors instinctivement, on prend nos grenades, on découpille nos grenades, et puis on dit, quand ils vont arriver, hein, on n'a pas le choix. Puis on entend parler, puis rien ne bouge. Alors il y en a un, si je me rappelle, c'était le plus gonflé de l'équipe. Il dit, bon, je vais voir. C'était des paysans qui parlaient patois. Il faudrait peut-être désigner pourquoi j'étais en Allemagne, parce que après la libération de Bourges, je suis resté à Bourges un certain temps, et un jour, ça devait être vers au mois d'octobre 1944, il y a un dirigeant de la résistance qui vient à Bourges. On avait décidé d'organiser une fête pour fêter la libération de Bourges. C'était à peu près son vrai nom, c'est Jacques Georges. L'autre a dit Jacques Georges. Il dit, j'en connais un Georges, Pierre Georges. Je dis oui, c'est mon frère. Je savais pas que le colonel Fabien, c'était mon frère. Avec ma femme, on prend la voiture et on file à Paris pour le voir. C'était juste après la libération de Paris, là. Il était en train de former son régiment. Et alors, je ne l'avais pas revu depuis 1943, puis qu'il était venu à Rochefort. Tu viens t'engager, je dis oui, mais il n'y a pas de problème. Il t'amène tous tes gars, t'amène ta compagnie à dossier. Le colonel, je lui dis voilà, moi je pars rejoindre mon frère qui forme son régiment pour partir, pour continuer la guerre avec les sous-officiers. Et puis là, pas question, colonel. Et il y a eu la guerre d'Indochine. J'étais officier d'active. Donc normalement, je devais partir en Indochine, puisque le régiment partait en Indochine. Et moi, j'ai refusé de partir en Indochine. Je n'admettais pas d'aller me battre contre des gens qui voulaient leur indépendance, comme nous, on s'était battus pendant 4 ans.